Bonsoir, bienvenue. C'est On a tout essayé. Chez vous, Christine Bravo, Perry Cochard, Jean-Ben Guigui, Valérie Mérès, Philippe Geluck et Gérard Miller. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Vous avez piqué à Christine ses lunettes, alors. J'ai piqué les lunettes de Christine. Écoute, oui, et je vois la vie en rose grâce à ça. Merci. Ah oui, attends, je peux essayer? Regarde. Attends, mais ça te va bien? Attends, moi, je peux essayer les tiens. Ah, c'est vrai, tout à coup, on a envie de dire des conneries. Quand mais on oui. Ah non, mais fais attention, parce que ça peut Attends. Te faire fondre les yeux, ça. Mais t'es aveugle. Ah, au-dessus de moi, il y a Ray Charles, il y a que lui. Non, là, il est plutôt en dessous, maintenant. Oui. T'es aveugle. Il est temps d'aborder la photo du jour. Cette photo, c'est celle des 25 chefs d'État et de gouvernement européens réunis hier à Bruxelles. Et franchement, vous êtes en train de compter, Philippe, je vous vois. Oui, on nous ment. On nous dit qu'ils sont 25, mais manifestement, il y a des pays clandestins qui ont réussi à se glisser sur la photo. On en est à l'Europe des 59 et on nous le cache, on nous a rien dit. Là, franchement, c'est honteux. Et d'ailleurs, la preuve que l'on triche avec l'Europe, c'est que ça se passe à Bruxelles. En Belgique, le plat pays. Et franchement, pour trouver un sommet européen en Belgique, fallait le faire. Le plat pays qui est le mien. Le président français s'est en tout cas fait remarquer, s'accorde à démontrer toute la presse française depuis ce matin. La charge de Chirac contre l'Europe libérale, titre Le Figaro. Chirac fait plier Bruxelles, annonce Le Parisien. Chirac se découvre héros de l'Europe sociale, ironise Libération. Un sommet pour l'opinion française, résume L'Humanité. Mais François va encore plus loin avec ce titre formidable. Il a fait écarter la menace Bolkenstein, Jacques Chirac. Le Zorro du oui. Et c'est vrai que notre président, regardez, on a essayé, c'est un peu Zorro, hein, ça lui va bien. Mais pourtant, jusqu'à hier, il nous jouait plutôt Bernardo, hein, le côté sourd et muet. Mais le Bernardo de Chirac, c'est en fait Jean-Pierre Raffarin. Et si le Premier ministre connaît bien la langue des signes, eh bien, il a de quoi s'inquiéter en lisant la presse depuis ce matin. Raffarin sous la mitraille dans Le Parisien. Raffarin serre les poings pour François, qui ajoute même « La classe politique lui demande de se mettre en retrait pour ne pas plomber la campagne du oui au référendum ». Jour de tension entre Raffarin et son ministre Villepin qui se voit à Matignon, nous dit même Libération. Certains suggèrent donc que pour le bien du oui au référendum, le président Chirac lâche son premier ministre en pleine campagne. Tant que c'est pas en pleine mer, c'est déjà ça. Mais en même temps, c'est quand même un peu comme Jean-Paul II, Jean-Pierre Raffarin. On annonce sa fin depuis des mois et des mois, mais il est toujours là. Vous allez voir que bientôt, on va juste lui demander à Raffarin d'apparaître 30 secondes à la fenêtre une fois par jour et de ne pas en faire plus. Les comparaisons que vous faites avec le pape sont un petit peu, je veux dire, limite irrespectueuses. Parce que nous qui l'avons reçu chez Drucker, il a tout de même... Le pape ou Jean-Pierre Raffarin? Jean-Pierre Raffarin. À une de mes questions, il a tout de même répondu très précisément... Vous êtes fiers de vous, là? Non. Alors passons justement à Jean-Paul II. Avec cette photo, il s'est encore montré hier à la fenêtre du bureau du Vatican, le pape. Et franchement, avec cette publicité pour les fenêtres, on va finir par croire que le Vatican est financé par les menuiseries La Paire. Cette minute à la fenêtre a en tout cas redonné le sourire à la petite foule de fidèles qui attendait et l'a ovationné place Saint-Pierre. Et parmi ces fidèles, nous dit la presse, un groupe de Polonais qui était là, qui attendait. Et ça, c'est encore une conséquence de la fameuse directive Bolkenstein. Les fidèles polonais ont déjà pris le job des fidèles italiens, vous voyez. C'est le dernier match Vatican-Monaco, là. Ah, bon. Bravo. Ah. Alors voilà, exactement, voilà. Bel enchaînement, Valérie, puisque la presse... La presse se mobilise autour de la santé du prince régnier. Un peu trop, d'ailleurs, parce que c'est quand même un peu mal ça, toutes ces biographies des doubles, des triples pages. La presse enterre un peu vite le prince de Monaco. Ses enfants sont certes à son chevet, mais quand même, le prince de Monaco va finir par demander grâce si on continue à le condamner à mort comme ça. C'est sûrement d'ailleurs parce qu'à Monte-Carlo, on a entendu « les jeux sont faits, rien ne va plus », que les journalistes ont trop vite misé sur le 24, le 25 ou le 26 noir, impair et hypa. Ça.
c'est pas bien. C'est pas nous. Il y a eu dans les journaux, là, c'est une nécro qui est sortie un peu en avance. Oui. Maintenant, effectivement, on se demandait s'ils mouraient le même jour, tous les deux. Ce serait très étonnant qu'ils meurent le même jour que le pape. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous en souvenez peut-être, mais Grâce était morte elle-même le même jour qu'un dirigeant politique du Moyen-Orient important. Et justement, un journaliste sur une chaîne Bernard très Langlois. Importante avait été viré parce qu'il avait dit que finalement, comparé à d'autres événements, la mort de Grâce n'était pas si importante que ça. Et il avait été viré pour ça. Oui, oui, oui. C'est Bernard Langlois qui, depuis, a animé le magazine Résistance et le journal Politis. Et en 2005, ce qui est le pire, c'est qu'en 2005, il y a un chroniqueur de chez Ruquier qui s'est fait virer pour avoir rappelé cette malheureuse histoire. Une autre photo qui illustre dans Libération la journée de la courtoisie au volant. Insultes, coups de klaxon, arrogance sont monnaie courante, hélas, en France. Et aujourd'hui, pour marquer cette journée de la courtoisie, on a évidemment demandé au PDG de chez Renault d'attendre demain pour continuer à traiter de cons les utilisateurs de régulateurs de vitesse. Aujourd'hui, il n'a pas le droit. Demain, il pourra recommencer, monsieur. On va lui téléphoner d'ailleurs pour l'avertir ce soir. Il est minuit, docteur Schweitzer. Vous pouvez recommencer. Et en s'en prenant au conducteur de Renault Velsatis, victime d'une défaillance technique, Louis Schweitzer a perdu une occasion en or de se taire et à vouloir nous vendre des régulateurs de vitesse qui ne fonctionnent qu'une fois sur deux, on va finir par l'appeler Louis la Brocante. On termine par l'émission d'une chaîne de télévision danoise qui s'appelle Porno Academy, une émission interrompue à la suite des protestations de téléspectateurs. Et c'est vrai que les candidats de Porno Academy, enfermés dans un château, hein, comme dans tout bon film X qui se doit, ont beaucoup souffert. On leur en a fait voir des durs et plusieurs... Oh ben si, c'est est-ce vrai. Que c'est en démol qui produit C'est bandémol. C'est pas bandémol qui produisait, mais quand même, on avait promis aux gagnants la possibilité de sortir un 30 cm. Mais vous pensez, là je me tourne vers les dames de cette émission, vous pensez, oui, mesdames, que les hommes ont besoin un peu de d'éducation sexuelle et de cours pour mieux satisfaire leurs épouses? Je sais pas, nous on n'a pas de problème, hein. Non, aucun problème. Aucun problème, non. Non. Y a pas de mauvais coup, on est toujours un bon coup pour quelqu'un. Voilà. Mais par exemple, un mec coups. Amoureux, non, un mec très amoureux est un bon coup, alors qu'un mec pas amoureux, c'est... Ah, c'est pas sûr, parce qu'un mec très très amoureux peut avoir une panne. Voilà. Bon, si j'ai une panne, j'appelle M. Schweitzer. Et il me dit, c'est parce que vous mélangez les pédales, mais autrement... Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas qu'ils en sachent trop, quand même. Il ne faut pas qu'ils soient trop, les mecs, formés par des professionnels. Ah. Parce qu'après, on passe pour des tartes à côté. C'est vrai que s'il dit ça, c'est un peu dur à avaler. Une grande marque de surgelés a décidé de lancer une expérimentation grandeur nature pour tenter de mieux comprendre les habitudes alimentaires des Français. Le rituel des repas, le rôle des enfants dans le choix des menus, on sait que c'est important, et la place de la télévision à l'heure des repas, peut-être c'est votre cas. Pendant une semaine, 10 familles, 5 à Paris, 5 à Lyon, ont été filmées deux fois par jour entre midi et 14h et de 18h à 20h. C'est un peu comme un remake du Loft, mais en version alimentaire. D'ailleurs, quand le dîner n'était pas bon, il paraît qu'on pouvait voter pour virer la mère. Non, j'exagère. On va accueillir dans un instant un couple qui s'intéresse au bien manger en famille. Mais avant, Dan Bolander, qui lui ne fait jamais de réchauffé, a tenté l'expérience. Je précise que les gens ne sont pas au courant dans ce que vous allez voir, mais il a testé pour nous, devant des caméras qui n'étaient pas cachées, la télé-réalité dans la cuisine. Un sujet filmé par Julien Héron. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé la télé-réalité dans la cuisine. Loana, Stevie, à table! Pardon de vous déranger, nous sommes une chaîne de télévision sur la cuisine. Ça s'appelle Téléfood. En fait, c'est une émission sur le comportement des Français à table. C'est de la télé-réalité, en fait. Donc on a besoin de vous filmer en train de déjeuner. Mais on l'a déjà fait. Vous avez déjà déjeuné? Ben voilà. Non, mais c'est pas grave. Vous savez, c'est de la télé-réalité, hein, donc c'est un peu truqué. Hein. Donc là, c'est un casting avec plusieurs familles et puis on prendra la meilleure. On peut essayer? Si tu veux, ouais. Bon, voilà, allons-y. Voilà, donc là, on va vous filmer en train de manger, hein. Et alors, bah, vous adorez ça, donc vous dites « Ah bah chérie, j'ai bien fait de t'épouser, qu'est-ce que tes pâtes sont bonnes ?» Action! Qu'est-ce que tes pâtes sont bonnes, ma chérie, j'ai bien fait de t'épouser. Ah bah si j'aurais pas fait des bonnes pâtes, hein, tu m'aurais peut-être pas épousé, dis donc, hein. Bon,
À un moment donné, vous allez lui dire, voilà, mais elles sont de plus en plus froides, ces pattes. Oh là, je me demande si j'ai bien fait de t'épouser. Ta sœur, elle faisait mieux les pattes. Hein. Vous voyez, crescendo, vous allez comme ça vous engueuler un petit peu. Hein. Action. Mais non, chez ta sœur, on en mange des meilleures, de pattes. Hein. Oh, bah là, t'as qu'à aller là-bas à manger des pâtes. Bon, allez, je m'en vais chez sa sœur. Puis au moins, les pâtes, ils sont chaudes. Oh, bah tant pis pour toi, moi, je mangerai avec le facteur. Au moins, lui, il va aimer les pâtes, hein. Ouais, bah t'as raison, t'as qu'à y coucher avec le facteur. Ah bah, voilà. Allez, au revoir. Ouais. Là, on y croit. Là, c'est de la vraie télé-réalité, vous voyez. Et finalement, sur le chemin, il regrette. Bah oui, parce que vous l'aimez. Mmh. Donc voilà. Et vous regrettez aussi, donc vous tombez dans les bras. Oh mon amour, je regrette. Oh mon amour, excuse-moi, je ne le ferai plus. Et ce que vous dites, bon bah pour m'excuser, je vais vous faire une bonne purée. Et comme ça, on parle de cuisine. Voilà. Voilà. Action. Ah mon amour, je regrette. C'est vrai. Bah oui, ma puce. Oh, mais c'est ma faute. J'aurais dû faire plus chaud de les pâtes. Bah, je ferai la purée, hein. Ah bah c'est chouette ça, au moins. Avec du boudin. Action. Regarde ça. Ah, chouette, mon chéri. Regarde la purée. C'est la bonne purée du facteur, en plus. C'est bien. Ah bah d'accord, bah lui, il se moque pas de nous, lui, hein. Voilà, donc là, on va faire la scène de la bataille de purée. Parce que 54% des foyers se battent avec de la purée en France. Vous êtes prêts? Action. Bah, elle est bonne purée, quand même. Ah bah, elle est bonne, la purée, ouais. Bah, c'est ça du facteur, hein. T'as vu, hein. Oh, tu commences à me gonfler avec ton facteur, là, hein. Non, mais dis donc, tiens, prends-la ta purée, là. Oh, puis tiens, ça aussi. Ah, là. Bah tiens. Allez-y. Tiens. Oh mon Dieu. Parfait, c'est très bien, très bien. Bon, bah merci. Ok, bon, bah on vous rappellera. Hein. Bien manger en famille, c'est important, je vous l'ai dit. Une grande marque de surgelés lance un test, filme comme ça 10 familles en France en ce moment pour voir comment les Français mangent à table, ce qu'ils mangent, comment ils se servent du micro-ondes. Évidemment, c'est ça qui importe. Alors, est-ce qu'on mange bien à table? Est-ce que nous avons une alimentation suffisamment saine? On va le savoir tout de suite et peut-être avoir quelques conseils grâce au docteur Jean-Michel Cohen et au docteur Myriam Cohen qui ont publié « Bien manger en famille » chez Flammarion. Monsieur Adam Cohen, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Les familles dont on a parlé tout à l'heure sont toujours filmées, là, en ce moment. La grande marque de surgelés dont on n'a pas besoin de citer le nom. Mais heureusement, il y a cette marque. On ne peut pas la citer dans cette émission. Heureusement que vous êtes là. Donc cette grande marque a décidé, avec l'accord des familles en question bien sûr, de filmer ces 10 familles, 5 à Lyon, 5 à Paris, pendant combien de temps? Ça va durer en fait une semaine et on va essayer de filmer 14 repas, ça veut dire 7 midis et 7 soirs, incluant le temps de la préparation du repas, le post-repas avec le débarrassage, midi et soir, et chercher à comprendre la pertinence d'abord des conseils qu'on a donnés ces dernières années aux gens, pour voir si on a vraiment frappé le cœur de cible. Et on est en train, j'ai pas encore le décryptage total, mais pour le moment, j'ai quand même des grandes surprises. Ça veut dire qu'on s'est évertué à expliquer des tas de choses, on a dramatisé le débat même de temps en temps, en disant attention, tout le monde va mourir, on est obèse, vous mangez trop, etc. Et finalement, j'ai le sentiment pour le moment que le décalage avec les comportements alimentaires, il n'est pas aussi grand et aussi important que la valorisation qu'on a eue nous-mêmes à édicter des règles qui finalement intéressent peu les Français, parce qu'on a fait dans le scientifique, on n'a pas fait dans le vulgaire. Voilà. C'est la différence entre la réalité et ce qu'on dit, quoi. Voilà. On va peut-être regarder les premières images avant que mes camarades réagissent de ce que cette grande marque de surgelés a déjà filmé. Un commentaire, alors là déjà peut-être docteur. Alors, l'année dernière, ça se peut pas. Ouais. Un mec en train de préparer la bouffe. En fait, plus souvent que ce qu'on croit. Mensonger, c'est faux. L'année dernière, on a dit, par exemple, diminuez vos acides gras saturés, mangez moins de graisse saturée, parce que vraiment, ça donne le cancer. Et on a pensé qu'on était efficace. Et on se rend compte que dans les doses pratiquées, on a quand même aucun changement. Ça veut dire que. Là, il met beaucoup de beurre dans la poêle. Oui, par exemple, je pense que quand il tartine maintenant du pain avec du beurre, il fait attention. Mais par contre, quand il fait cuire un plat, il met vraiment dans la poêle une quantité de matière grasse qui est beaucoup plus importante que ce qu'on soupçonnait. Alors là, c'est quoi? C'est la vaisselle? C'est du sel. C'est du sel. On a pourri la vie de tout le monde l'année dernière. On a dit, vous savez, on va faire un gros effort, on va demander à tout le monde de dessaler. Ça veut dire que, par exemple, les boulangers, ils ont réduit de 5% par an la teneur du sel dans les baguettes de pain et on a pensé qu'on avait performé l'humanité grâce à ça. Et on se rend compte dans toutes les familles d'un salage, d'un ressalage, d'un re-ressalage systématiquement. Tout ça, t'as des verglas, mais... J'ai remarqué
voyez, ça chez moi, quand je fais la cuisine à la campagne, les amis, parfois ceux qui sont ici, vous ressalez toujours tous mes plats. Alors, je ne comprends pas. Parce que tu ne sales pas assez. On me réclame toujours du sel. Tu cuisines sans sel, toi. Moi, je cuisine sans sel. Ah, et bah, c'est pas bien. Sans sel, c'est pas beaucoup de sel. Une autre photo. On a une incarnation fabuleuse. Pas celle qu'on pensait. On a deux enfants qui prennent leur repas assis sur un canapé, scotchés à la télévision. Ah. Et en fait, ils se nourrissent de télévision. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup plus étonné, c'est que c'est la famille qui fait surtout association, boissons sucrées, télévision, et personne ne se parle à table. C'est assez curieux. Gérard, assez. Je vous dis assez. On est depuis le début en train de voir des caméras chez les gens, mais ça suffit, ce principe. Vos conseils sont tout à fait respectables. Je dois dire que moi, je me scandalise absolument qu'on trouve tout à fait normal qu'on mette une série de caméras. Alors demain, ça sera dans les salles de bain pour voir si on se lave bien avec les savons, et demain dans les lits pour voir si on met les préservatifs. Je m'excuse, votre expérience, moi, je la trouve débectante, simplement à cause du principe. La télé-réalité nous fait déjà chier à la télé. Maintenant, on habitue les gens à avoir des caméras et à devenir des rats de laboratoire. C'est pas de la télé-réalité. Le premier mec qui met une caméra... Oh non, arrêtez. C'est pas croyable. Monsieur et Madame Cohen, nous ne sommes pas des rats de laboratoire. Le premier qui met une caméra chez moi, je lui casse la gueule. Je ne comprends pas votre coup. Ces familles-là sont volontaires. Elles sont volontaires. C'est l'argument qu'on donne toujours. Elles sont volontaires parce qu'on habitue les gens à ce qu'on vienne. Elles sont payées. À ce qu'on habitue les gens. Non. C'est un vieil ordre moral. Franchement, j'en ai marre. C'est un vieil ordre moral. Et moi, je vous dis qu'on n'a pas inventé le vaccin contre la rage en fumant un cigare allongé sur un divan. Là, ce sont des familles que personne ne connaîtra en France, qui ont accepté d'être filmées, sur lesquelles on voit le comportement alimentaire exclusivement au moment des repas. Ça n'a rien à voir avec ce que vous décrivez, mais vous fonctionnez avec des images thématiques. Vous êtes en fait dogmatique. La télé-réalité chez soi, je suis désolé, je suis pour la progression. C'est pas la télé-réalité, essayez de comprendre. Mais moi, je veux pas qu'on me voit quand je mets pas de sel. Laissons parler Madame Cohen. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on reçoit une multitude d'informations, c'est-à-dire qu'on est vraiment bombardé d'informations, d'aliments santé, d'aliments danger. Et en plus, on traumatise les mères en disant « vous allez faire des enfants obèses » ou « vous carencez vos enfants ». Et la mère, elle est complètement paniquée, elle ne sait plus quoi faire à manger, c'est-à-dire qu'elle se focalise sur certains aliments, elle ne voit plus l'alimentation dans sa globalité, elle a perdu ses repères. Je peux poser une question bête. La firme en question, que nous n'allons pas citer, c'est quoi son intérêt? Parce que moi, j'essaye de ne pas donner à mes enfants, quand je leur fais la cuisine, c'est-à-dire pas très souvent, de ne pas leur donner justement les produits de cette firme-là. Donc, quel est l'intérêt de cette firme qui finance? Vous avez tort. Parce que quand on est une femme qui travaille, on est écartelée entre vie professionnelle, vie de famille, vie de couple, etc. Et les légumes surgelés, c'est une très bonne chose. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. C'est formidable. Moi, je me méfie, mais je suis pas. J'ai le droit de dire tout ce que je veux. Je n'ai pas encaissé d'argent de cette firme là pour une raison. J'ai juste à ma disposition toutes les images qui ont été enregistrées, j'en fais ce que je veux. D'accord. Et il est dealé avec eux que je peux dire ce que je veux. Si à la fin de l'expérimentation, je conclue que tout ça n'a servi à rien, ça sert à rien. Et mon problème, c'est qu'on a balancé des règles dans tous les sens l'année dernière. Manger plus de fruits et légumes, mon œil, personne ne le fait, et pour l'instant je le vois. Et pourtant quand vous questionnez les gens, ils vous disent « Ah oh, bah oui, je mange le fruit, je mange les haricots verts », mais c'est pas vrai, ça ne farce. Est-ce que vous voulez dire par là que les conseils que vous, professionnels, donnez ne sont donc pas suivis? Mais oui. Est-ce que la force de la publicité n'est pas incommensurablement plus forte que la vôtre? Et donc, malgré les conseils de diététique que l'on donne, les gens continuent à bouffer de la merde, des sucres, des graisses, etc. Car le nombre d'obèses en France est en train d'augmenter des proportions totalement effrayantes. Et donc, il faut faire quelque chose au niveau national. Bien manger en famille, mais caché. Voilà, c'est chez Flammarion, merci. Avoir une maison sur l'île de Ré, cela coûte cher du fait de la flambée des prix de l'immobilier. Sur l'île, quelques 500 foyers
serait désormais soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune. Or, d'après une association dont nous allons parler, une partie de ces familles de l'île de Ré, majoritairement propriétaires agricoles ou viticoles, ont des revenus, paraît-il, très modestes et sont malgré cela obligées de se ruiner pour pouvoir payer l'impôt sur la fortune. Sur l'île de Ré, on ne peut pas et on ne veut donc pas payer l'ISF. D'ailleurs, les habitants de l'île, on ne les appelle plus les rétés, mais les rétifs aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, nous allons accueillir la présidente de l'ADIR, une association de l'île de Ré, qui s'élève donc contre l'application de l'impôt sur la fortune aux familles les plus modestes de l'île de Ré. Voici Madame Valérie Constance. Bonjour Madame, bienvenue. Alors c'est vrai que c'est bien que vous soyez sur ce plateau, parce qu'a priori, quand on a lu cet article dans Le Parisien, on a eu un peu de mal à s'apitoyer sur le sort de ceux qui devaient payer l'impôt sur la fortune. Vous comprenez pourquoi. Après, quand on a lu l'article, c'est vrai qu'il y avait quelques exemples assez frappants. Et vous allez essayer de nous expliquer pourquoi. Vous êtes présidente d'une association donc, qui tend à défendre ces habitants de l'île de Ré qui ne veulent pas payer cet impôt sur la fortune. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les habitants de l'île de Ré qui ne veulent pas payer l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça, mais... personne ne veut payer, de voilà. toute façon. Ben, ça, c'est de toute façon, certain. Dans le principe. Mais si vous voulez, le problème... Il y a aussi beaucoup de gens qui seraient ravis de le payer, l'impôt oui, de solidarité mais moi, aussi, sur la fortune. Je serais aussi ravie que tous les gens qui ne le payent pas parce que la loi permet un certain nombre d'exonérations soient assujettis exactement comme tout le monde, de façon à ce que tous les citoyens soient égaux devant l'impôt. Ça me plairait déjà plus, parce que comme ça, les vraiment riches paieraient aussi leur quote-part d'impôt de solidarité sur la fortune, au même titre que ceux qu'on prétend nouvellement riches, c'est-à-dire les gens qui subissent la pression foncière, comme ça se passe dans l'île de Ré. Parce que nous, on est devenus riches comme ça ces 20 dernières années, parce que les continentaux se sont énamourés de notre île, et que forcément, l'île étant petite, on est venu s'y installer, donc on a fait monter les prix de l'île. Le prix du mètre carré a flambé. Ah oui, ça, il y a encore une quinzaine d'années, on arrivait à trouver des terrains à 80 francs le mètre. Excusez-moi, je parle encore en francs. Et aujourd'hui, vous arrivez à trouver des terrains qui sont pas loin de 5000 francs le mètre. Donc, on a un petit problème. Et si vous voulez, là où je suis choquée de ce qui se passe, c'est que nous, de tradition, nous sommes des agriculteurs, des ostréiculteurs, des viticulteurs, on spécule pas sur nos terres. Ce qu'on essaye, c'est de garder nos traditions, nos cultures et de pouvoir transmettre notre patrimoine à nos enfants et de continuer à pouvoir faire nos métiers. Or, c'est pas avec nos métiers de viticulteur ou d'ostréiculteur qu'on a les moyens de s'acheter des Renoirs ou des Van Gogh et de s'acquitter de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a des gens aujourd'hui sur l'île de Ré qui s'acquittent de cet impôt et il faut quand même savoir qu'ils ne sont pas imposables au titre des revenus. Et ça, c'est un véritable scandale. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet impôt sur la fortune, leurs revenus n'étant pas suffisants, ils ne paieraient pas d'impôt du tout. Ah ben ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'ils gagnent combien par mois, à peu près? Il y a des gens qui gagnent aujourd'hui à peine 1000 euros par mois de retraite et qui sont imposés de l'ordre de 4000 à 5000 euros par an. Non, ça veut dire qu'ils sont devenus riches. Non, mais non. Ils sont propriétaires d'un terrain qui vaut beaucoup d'argent. Ils sont potentiellement riches, mais le fait d'être propriétaire d'un terrain que tu ne vends pas ne te rend pas riche pour autant. Tu peux devenir riche le jour où tu le vends, et l'impôt serait plus juste s'il taxait les transactions. Mais tant qu'il ne le vend pas et que ce terrain sert soit à son métier, soit à son propre plaisir, il n'y a aucune raison de l'imposer sur cette chose. Ou à la conservation du patrimoine. Attends, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est un scandale. Attends une seconde avant de crier au scandale. Donnez-moi une précision. Mais c'est dingue, toi. Quand tu hérites d'un petit lopin... Donnez-moi une précision, madame. Madame, que je comprenne bien, est-ce que je me trompe en disant que la loi a prévu justement de ne pas imposer de la même façon ceux qui touchent beaucoup d'argent en revenus réguliers et ceux qui n'en touchent pas? Il me semble bien qu'il y a justement un plafond. Il faut déjà le préciser, il y a un plafond qui fait... 85% des revenus. Mais il y a aussi l'aspect confiscatoire de cette loi. Parce que quand vous avez des biens qui sont improductifs comme une résidence principale, et là, c'est pas forcément que les rétés. Ça peut être... Quand vous avez eu la chance ou la malchance de naître à Ré et qu'aujourd'hui on vous dit que vos terres valent de l'argent, ou que vous avez eu la chance ou la malchance d'être propriétaire dans un pays qui est moins
moins valorisés, encore qu'avec l'afflux d'étrangers qui arrivent sur le sol français, bientôt on y sera tous. Donc comme ça, on pourra poser le débat. Vous avez des biens qui sont improductifs. Une résidence, c'est improductif. Vos terres, elles ne vous rapportent que ce que la coopérative viticole vous paye pour votre vin sur l'île de Ré. C'est un truc qui nous pend tous au nez, ce machin. Tout à fait. Parce que moi, ce qui me fait peur, là, dans son truc, c'est que ça risque de nous arriver, bien ça sûr. Risque de m'arriver à moi, qui suis parétaise. Non. C'est-à-dire, alors, mon quartier, tout d'un coup, se met à flamber, voilà. Et moi, je vais payer l'ISF, voilà. Parce qu'à côté, il y a des gens milliardaires qui ont fait monter... le prix du mètre carré dans mon arrondissement. Bon, en même temps, on n'est pas là pour résoudre ton problème d'appartement, mais pour parler de l'association de l'île de Ré. C'est pas de chance. Madame, pardon de revenir à Gérard, mais on n'a pas eu une réponse claire à la question de Gérard. Alors, est-ce qu'on peut y revenir ? Il y a deux choses qu'il faut dire. J'écoute avec attention, parce que quand vous me dites qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté, on n'a pas envie de dire qui paye s'ils n'ont pas les moyens. Il faut préciser une chose, c'est lorsqu'on est propriétaire d'un bien dans lequel on habite, déjà on calcule 20% au moins, oui, vous le savez. Ça, le principe de l'abattement... Deuxièmement, lorsqu'on ne gagne pas du tout d'argent ou très peu, il y a un plafonnement. 85% des revenus, voilà. Oui. Donc c'est quand même pas complètement injuste, cet impôt, même s'il est difficile. Alors écoutez, on va prendre le problème autrement. Aujourd'hui, vous avez une population qui culturellement n'est pas forcément... lié à tous les problèmes intellectuels, donc pas formé forcément à la loi. Vous avez un conjoint qui décède. On vous explique tout d'un coup que vous êtes riche quand vous faites votre déclaration successorale. Vous pouvez dire à partir de combien est-ce qu'on paye l'ISF, grosso modo ? 732 000 euros. Dites-le en francs pour que les gens comprennent bien, c'est à peu près... 4 millions. 4 millions. Presque 5 millions de francs. Oui, à peu près. Vous avez aujourd'hui des gens qui peuvent être propriétaires de Renoir, de Van Gogh, il faut déjà avoir les moyens pour se les offrir, et qui, eux, ne payent pas l'ISF. Et précisez pourquoi, madame ? Mais parce que les œuvres d'art, les antiquités, les collections sont exonérées. Il a été pris à un moment donné une décision. On avait peur que... Si, c'était à l'époque de Jack Lang et des socialistes, si on impose des œuvres d'art, elles vont filer à l'étranger et ne les auront plus. C'était une bonne mesure, je suis d'accord. Mais c'est qu'il y avait des gens qui étaient au gouvernement qu'on avait des Van Gogh. Aujourd'hui, peut-être la contester. Aujourd'hui, un propriétaire à l'île de Ré qui fait simplement acte de civisme envers ses enfants en maintenant ses traditions et en voulant transmettre son patrimoine. Il est propriétaire de terres qu'on va estimer à grosso modo 1 million d'euros pour faire un calcul rond. Il a son million d'euros, il a sa retraite de 1000 euros. Il essaye de transmettre son patrimoine à ses enfants, il a déjà du mal. Il donne la nue propriété, il se retrouve simplement usufruitier, il va payer l'ISF alors que ses enfants vont être propriétaires. Si. Vous prenez cette même personne qui, demain matin, vend son patrimoine et s'achète un Renoir et se prend une location à 2000 francs par mois, et ben elle ne paiera pas l'impôt de solidarité sur la fortune. Ouais. Seulement, entre-temps, notre culture aura foutu le camp et il n'y aura plus de viticulteurs que de agriculteurs. Tout ça, Gérard, c'est de la faute de tes amis de gauche, caviar. Non. Ils sont allés à l'île de Ré s'amuser pour passer leurs vacances, etc. Ils ont fait flamber les prix à force de vendre et d'acheter des maisons là-bas. Je suis très embarrassé par ce que vous dites, parce que à la fois, je vois bien qu'il s'agit de gens qui ne sont pas forcément des grands milliardaires. Et en même temps, et puis les grands milliardaires, je déteste tous les gens qui se plaignent de l'impôt. Je suis le premier à souffrir lorsque je dois payer mes impôts. Ils ne s'en plaignent pas, non, si quelqu'un qui possède un million d'euros ne paye pas beaucoup d'impôts. Il ne possède pas, il vit dessus. Non, mais c'est vrai, Gérard, ce ne sont pas des terres qui rapportent de l'argent. Ils ont des terres qui ne leur rapportent pas d'argent. Un petit agriculteur, ce n'est pas un intellectuel parisien. Ça n'a rien à voir, Christine. Est-ce que tu comprends? Il a des terres. Il n'a pas un appartement à Paris, le mec, il a des terres, il travaille dessus. Non, mais s'il travaille dessus, écoutez, arrêtez. Lorsque c'est un bien dans lequel on travaille, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, sur les entreprises. Sur les entreprises, mais quand vous êtes en nom propre, en exploitant agricole, vous n'êtes pas en société, vos terres sont assujetties. Non, mais la loi sur l'ISF est si bien faite qu'elle exonère les gens qui ont culturellement les moyens d'avoir des conseillers qui organisent l'évasion fiscale. Et vous avez à côté de ça une population traditionnelle française des terroirs qui forme quand même le tissu de la France, qui n'est pas formée à ça et qui, elle, se retrouve assujettie à l'impôt. Ce que je demande, c'est que l'État accepte aujourd'hui d'ouvrir le débat sur cet impôt. Et il y a effectivement deux dangers dans ce que vous dites. Et moi, je trouve que votre combat est juste. Il y a deux dangers. L'un est que certaines personnes, pour pouvoir payer, pour pouvoir s'acquitter de l'impôt, soient obligées de vendre leur terrain et donc de lotir et donc de nouveau faire profiter des gens
gens pleins de fric qui viennent de Paris et qui achètent des terrains. Et deuxièmement, de Paris, hein. Que les enfants, non de Paris et d'ailleurs, et que leurs enfants, hein, un des gros problèmes de ce genre de région où l'immobilier a flambé, c'est que les enfants nés là ne peuvent plus rester, ne peuvent plus habiter chez eux. On perd notre tradition et notre culture. Voilà. On a voulu faire les chartres de région pour conserver le tissu des terroirs français. Aujourd'hui, on est en train de nous dépopulariser par cette fiscalité et cette pression qui... On n'avait pas parlé du redressement sur les 10 dernières années, parce qu'il y a aussi du redressement. Non, mais attendez, parce que ça, je le redressement n'est sur 10 ans que lorsqu'on n'a jamais payé l'impôt, sinon il est sur 3 ans. Mais il y en a plein qui n'ont jamais payé l'impôt. Nos gens de terroir qui n'ont pas la culture d'avoir eu l'impression d'être richissimes, ce sont des... Regardez leurs mains, venez nous voir et regardez comment on vit, comment on est... On n'a pas la tradition. C'est le charme de votre île, ailleurs. Entre autres. Alors prévenons les habitants de l'île de Ré qu'ils ont de l'or entre les mains depuis quelques années, s'ils ne sont pas oui, bourgeois. Mais vous ne pouvez pas leur dire sur des biens improductifs de s'acquitter de l'impôt sur la fortune alors que vous avez des gens qui sont richissimes, qui organisent leur évasion fiscale et qui ne payent rien. Vous avez raison, mais c'est scandaleux. Un fonctionnaire payera jusqu'au dernier centime ses impôts alors que certains grands patrons qui gagnent des milliards ne les payent pas. Mais la justice, ce n'est pas d'empêcher le fonctionnaire de payer ses impôts, c'est de faire en sorte que les grands patrons les plus riches les payent. Eh bien, je suis d'accord avec vous. La justice dans notre avec le problème de l'impôt de solidarité sur la fortune qui est inéquitable. En plus, moi, je suis pour l'égalité des citoyens au regard de l'impôt. C'est qu'aujourd'hui, cet impôt est inique, inéquitable, mal fait, mal calculé, avec un mode opératoire qui ne tient pas debout. J'ai une autre idée. Si vous pouviez, on pourrait peut-être avec plusieurs bateaux essayer de remorquer l'île de Ré au large de la Belgique. Il n'y a pas l'impôt sur la fortune. Qu'est-ce qui se passe? Il m'empêche de rentrer alors que c'est le plateau à mon fils, ça belle, va belle maman, je t'avais déjà dit de ne pas revenir comment ici. Comment ça, pas revenir? Mais tu rigoles ou quoi? T'as vu comme je suis concernée par le sujet? Il est fou, lui, celui-là. Hein, je suis obligée de m'auto-inviter, tu sais, sur le plateau maintenant. Bien sûr, je m'immisce. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je fais un sketch. Deux fois par semaine, il a dit. Tu me reconnais pas? C'est parce que j'ai le maquillage et tout. Non, je plaisante, je viens parce que je te dis, je suis concernée par le fléau de l'YF. De quoi? Tellement ça m'énerve, j'arrive pas à le prononcer. L'ISF, tu sais que moi aussi je suis frappée d'injustice. Ah oui? Oui, ils veulent me taxer comme si j'étais Nardine de Rothschild, tu sais pas quoi. Ils sont malades ceux-là. Ils sont fous. Mais tu as eu un redressement fiscal, toi? Évidemment, j'ai eu un redressement, maman. Bien sûr, cette année. Ils ont dit, on veut que vous soyez assujettie à l'YF. Alors que moi, de toute ma vie, j'ai jamais été imposante. Jamais j'étais imposante. J'ai été. J'ai jamais été imposante. Et cette année, ils m'ont écrit, tu sais, je reçois une lettre, je te raconte, il y en a pour deux minutes. Hein? On s'en fout, on est bien. Alors, bonjour madame. Alors, je reçois une lettre, ils disent, voilà, bonjour madame Myriam, c'est les impôts, comment ça va? Vous nous devez la modique somme de 10 millions de dollars de francs nouveaux. Maman, j'ai cru que j'étais morte, je t'ai appelée, t'étais pas là, tu m'énerves. J'ai cru que j'étais morte, j'ai appelé, j'ai dit laissez tomber, je suis morte. Toutes mes condoléances, merci, au revoir. Tac. Ils me disent non, ils rappellent. Ils sont fous, tu sais. Ils sont malades. Alors, merci. Alors, ils rappellent. Mais ils vous ont dit de faire quoi? Il m'a rappelé que pourquoi tu me vouvoies, il est fou, celui-là. Oui. Tu as pas assez dormi, hein. Tu as déjà trop dormi. Hein, bon, bref. Alors, ils me rappellent, ils me disent il faut que vous passiez à 13h public. Je dis moi, à 13h, je peux pas, je passerai à 14h. Je fais ce que je veux. Ils sont fous, ceux-là. J'arrive. Et je dis, ah, ils m'ont trop énervé, tous. Ah, tous, ils m'ont énervé, vrai, je te jure, mon sang, il a fait 15 tours comme ça. Et j'ai dit, bah, puisque c'est ça que vous voulez rien entendre, je me prends en otage. Je me suis enchaînée, tu sais, avec les bijoux. Je me suis enchaînée au bureau comme ça. Bien sûr, j'ai demandé une rançon, j'ai rien voulu me donner, bon. Alors après, j'ai dit, bah, je fais la grève de la faim, puisque c'est ça. Et oui, regarde, pendant 20 jours, j'ai rien mangé entre les repas. Je suis tout maigre. Ils ont rien voulu entendre, ils m'ont dit, non, non, c'est l'ISF, c'est parce que c'est à cause de votre résidence principale qu'ils me disent. Alors que moi, j'habite dans une cabine de jardin comme ça, que j'ai même pas de jardin, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, quand même, si c'est de la villa de Jouan les Pins, donc. Quelle villa? Que tu racontes? Je suis collabore. Ah, c'est pas une villa, c'est rien du tout, c'est un petit pied par terre, là, comme ça, un petit peloton. C'est une remise à outils de 4 cm carrés, vrai? Je tiens même pas allongé dedans, tu sais, quand je m'allonge, j'ai les pieds, ils sortent par la fenêtre. C'est tellement bas de plafond, tu sais, c'est tellement petit, je peux. Les seules personnes que je peux inviter à dîner, c'est les Schtroumpfs. Et Monsieur Belguigui. Non, non, quand même. Hein? Jean, arrête. Non, faut être honnête. Je suis venue à la maison. Je suis venue à la maison.
faut être honnête, belle maman, tu oublies quand même le terrain et la piscine. Quelle piscine? Que sur un côté, ça bidet, c'est grand comme un évier. Ah, je tends les bras, ça y est, j'ai fait le 100 mètres papillon, ouais. Je suis arrivé. Ouais. C'est tout petit comme ça, le terrain, c'est une jardinière, trois poireaux, deux pois chiches, 18. Ouais, et le cours, et le cours de tennis aussi, il y a le cours de tennis. Le cours de tennis? Oui. Qu'est-ce que sur un cours de tennis? C'est une table de ping-pong en terre battue, c'est un effet d'optique. Ouais. C'est visuel, c'est. De toute façon, c'est comme ça, tu vas être obligé de payer, je te l'ai dit. Oui, je sais, je vais être obligé parce que j'ai rien pu en tirer. Par contre, tu sais, je me suis arrangé, j'ai tout groupé. Tous les biens, j'ai groupé à ton nom. Oui, c'est comme si j'ai fait une donation, sauf que je suis pas morte. Voilà. Et si c'est rétroactif, tu me les rends après. Ah, voilà. Et moi, en attendant que ça se tasse, que tu règles tout ça comme il faut, hein, toi tu sais faire, je pars en vacances avec Madame Barba. Avec Madame Barma. Barba, oui. On va chez ton tonton. On va chez ton tonton. Ah oui? Ton tonton, David incarné. Ton oncle incarné. Enfin, oui. Attends, c'est pas fini. Là, je te régale. Attends, mais où il habite déjà? Où il habite déjà mon oncle incarné? Qu'habite aux îles Panari, voilà. Voilà. C'est pour l'opération, c'est gratuit. Florence Foresti. Pardon hein, pour cette intrusion. Allez, on va remercier la présidente de l'association de l'île de Ré, Madame Valérie Constance. Hein. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Nous allons maintenant accueillir Patrick Juvet. Un chanteur qui a triomphé, vous le savez, dans les années 70 avec des tubes comme Où sont les femmes, La Musica, Rappelle-toi Minette, ou plus tard avec I Love America. Patrick Juvet s'est ensuite fait un peu plus discret à tel point qu'à un moment donné, c'est le public qui s'est demandé où sont ses fans. Aujourd'hui, Patrick Juvet sort Les Bleus au cœur. Ce n'est pas un livre sur l'équipe de France de football, c'est son autobiographie publiée chez Flammarion. Patrick Juvet, qui est suisse, a décidé de remettre les pendules à l'heure. Alors pour tester ensemble ses Bleus au cœur, accueillons tout de suite Patrick Juvet. Salut, bienvenue. Souvenir, les bleus au cœur, vous vous racontez dans ce livre. Vous n'aviez pas fait déjà ? Excusez-moi, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai lu de près ce que raconte Patrick Juvet. Il raconte que ses attachés de presse mettent dans son verre un mélange d'alcool et de relaxants musculaires et que ça vous donnait envie de baiser un tronc d'arbre. Je ne préfère pas aujourd'hui. C'est vrai, cette histoire? C'est vrai que c'est dans le livre. Non, c'est... C'est dans les années 70, 80? Voilà, comme c'était des mélanges alcool avec cachet dedans, donc un tronc d'arbre, effectivement. Ça me fait... C'est vrai que c'est drôlement fort, hein? Il m'a volé mon verre d'eau. Oui, bah, ça va aller. Mais c'est étonnant, tu sais. Mais ça va aller. Et t'as pas intérêt à te tourner vers l'autre arbre, hein, je te le dis. En tout cas, quand Gérard est intervenu, j'étais en train de vous demander si vous n'aviez pas fait déjà d'écrire vos mémoires. Non, c'est la première fois que je le fais et la dernière, parce que je l'ai fait en hommage à Florence Aboulker, qui était ma productrice, qui a disparu il y a 2 ans. Et j'avais besoin d'écrire tout ça pour faire mon deuil. Puis finalement, c'est devenu un livre. C'est la première femme qui, à Paris, vous a fait confiance et vous a aidé dans ce métier. Tout à fait. À démarrer. Ben, c'est-à-dire que c'était Étienne Rodagil au départ, mais comme ils étaient très amis, on s'est présentés. Vous avez lu Les Bleus au cœur, Christine? C'est très émouvant, très très émouvant comme bouquin. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui avait une trop belle gueule. Et à cause de sa beauté, toutes les portes se sont ouvertes très très vite dans le milieu du showbiz, des boîtes de nuit. Alors, tu parles de Florence Aboulker, tu sais pas seulement ta productrice, tu dis que c'est la femme de ta vie, c'est le grand amour de ta vie. C'est-à-dire qu'au départ, c'est parti par la musique, la profession. Et puis finalement, après, c'est parti amour, en passion. Elle avait déjà deux petits-enfants qui sont les miens, carrément, aujourd'hui. Donc, tu as été plus hétérosexuel qu'homosexuel dans ta vie. Les grandes histoires de ma vie, il n'y en a pas eu beaucoup. Florence, c'était la plus importante. La plus belle, ouais. Et autrement, c'était toujours des femmes. Valérie Mérès. Oui, bah, j'ai lu votre livre et j'ai été extrêmement émue. C'est vrai que c'est un... Si vous l'avez dédié à Florence Aboulker et vous avez vraiment réussi la mission de nous faire aimer cette femme. C'est vrai que franchement, vous avez fait des conneries alors que si vous l'aviez écoutée, vous ne les auriez pas faites. C'est vrai. C'est vraiment très beau. Je trouve votre livre très beau. Maintenant, je vais un peu faire comique. Oui, allez, on y va. Je voulais vous demander un truc. Où sont les hommes?
Alors, il y en a un, deux, trois. Ouais, non, mais pas ceux-là. Excusez-moi, ça va, je les connais par cœur. par rapport à votre rapport avec Jean-Michel Jarre, vous vous sentez plutôt être Jenny ou par Rio? Parce que vous racontez que vous étiez quasiment amoureux de Jean-Michel Jarre. C'était un fantasme à moi, c'était pas le sien. Mais quand même, il acceptait de dîner avec vous tous les soirs et il entretenait le mystère. C'était le moyen de... Le fantasme, en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais à minuit, il rentrait voir sa femme. Ben Guigui. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est cette espèce de carnet de balles incroyable que vous avez. Quel séducteur vous êtes. Ça part de l'homme à la Ferrari en Suisse. On parle comme ça d'Yves Mourouzi, vous ne vous étendez pas, mais je crois que ça ne s'est pas très bien passé. Jean-Michel Jarre, Moralie, des filles, des garçons. Mais c'était, vous avez fait des folies de votre corps. Mais Mélanie Griffith, attention. Il a failli se marier avec Mélanie Griffith. Excusez-nous. Je me rappelle, tu me l'avais dit un jour, et que tu avais été amoureux de Mélanie Griffith. Mais oui, excusez-nous, c'est plus un arbre. C'est une forêt. C'est une forêt. Vous avez été obligé d'ailleurs, il faut le dire. J'ai pu lire ça dans des interviews, vous avez été obligé de couper certains passages parce que c'était trop lié à la vie privée d'autres vedettes et que vous aviez peur des procès. Oui, c'est aussi la maison d'édition qui n'a pas envie d'avoir des procès. Et moi, je suis quelqu'un de... C'est sûrement un défaut, de très sincère. Et quand j'ai écrit ça, j'ai écrit tout ce que je... La vérité de tout. Et il y a des choses qui peuvent pas se... Il y a des choses qu'on peut pas dire, sinon on a 15 procès au cul. Gérard Miller. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de chance parce que manifestement, vous avez fasciné par votre beauté, parce que vous étiez déjà tout jeune, beaucoup de gens, et ça aurait pu très mal finir. Chaque fois que je lisais ce livre, je me disais, je savais la fin, puisque je sais où vous en êtes aujourd'hui, je me disais, incroyable, il y a échappé. Et j'ai l'impression que vous avez échappé à beaucoup de prédateurs de votre beauté, de votre jeunesse, de la fascination que vous exerciez sur les gens. Mais est-ce que vous n'étiez pas vous-même devenu un prédateur? Je sais pas. Vous auriez pu mourir, ne serait-ce que par tous les excès que vous avez faits. Ah oui, tout à fait. Non, mais comme je le dis dans le livre, je suis très fleur bleue. Et il y a des choses sexuellement que j'aimais pas et ça m'a sauvée. Mais sûrement, parce que dites donc, vous quand même à 16 ans, là, quand vous partez en week-end avec le vieux là, et qu'il vous fait Ferrari, rien, Ferrari, c'est quand même incroyable. Quoi. C'est parce que vous étiez d'une grande, grande pureté qu'il ne s'est rien passé, parce que sinon, c'était quand même... Avec les femmes, oui, parce que c'est fait pour. Perry Cochin. Alors... C'est marrant parce que là, je vous regarde et j'ai le sentiment que vous êtes extrêmement sincère, même un peu mal à l'aise. Vous n'êtes pas... Je m'attendais à voir quelqu'un de plus exubérant. Quand je fais la promo d'un disque de ma musique, je ne sais pas, c'est mon domaine. Et les livres, ce n'est pas mon domaine. Alors justement. Donc, je me sens même ému parce que quand je l'ai lu en entier fini... Pourquoi tu ne l'as pas écrit? Comment? Tu l'as pas écrit? Si, mais il fallait qu'il l'imprime. Et donc, j'avais pas lu tout le reste que j'avais écrit. Et j'ai pleuré en le lisant, parce que j'ai dit, putain, les conneries que j'ai fait, justement. Et... Alors, moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu en le lisant. Ah bon. Je me suis dit, en le lisant, c'est marrant, est-ce qu'il est pas en train d'essayer de se faire un coup d'éclat au travers d'un livre où il balance quand même beaucoup de choses sur des gens qu'on connaît, plus ou moins. Enfin, quand vous parlez de Mourouzi, justement, on a parlé de Jean-Michel Jarre, etc. Vous annoncez... Mais je dis pas de mal de Jean-Michel. Vous dites aucun mal. Parce que si je l'avais pas eu, j'aurais pas fait l'Amérique. Non, vous dites aucun mal, mais vous rentrez dans une intimité qui choque un petit peu par moment, qui surprend par moment. Est-ce que ce déballage, en quelque sorte, n'était pas fait pour revenir au devant de la scène, pour faire parler de vous, parce que vous vous doutez que votre livre va faire parler. Je voulais pas du tout que ça en devienne un livre, mais après je me suis dit, ça répond à tellement de questions que les gens me demandent dans les aéroports, dans les... Mais ils ont qu'à le lire, et puis comme ça, j'ai pas besoin de... Mais t'es pas pessimiste, parce que t'es pas un peu... pas aigri, mais pessimiste, triste, parce qu'il y a beaucoup de tristesse dans ce bouquin, et même sur toi-même. Pourquoi, par exemple, tu dis, quand une émission m'invite, c'est pas pour moi qu'on m'invite, mais parce que je corresponds à son thème, et jamais par plaisir. Là, t'es invité, je pense que ça fait plaisir à Laurent de... Je suis fou de joie, moi. Mais
On oublie aussi que vous avez écrit des chansons pour composées pour d'autres. Le fameux Lundi au soleil pour... Le Lundi au soleil. Pour Claude François. Quand même, parce que vous dites, à un moment donné, vous avez eu des problèmes d'argent et tout ça. Quand on est auteur ou compositeur de chansons, on sait qu'on continue à pouvoir vivre à peu près convenablement de ses droits. Le Lundi au soleil, c'est une chanson de Claude François qui continue à passer sur des radios. Ça vous rapporte de l'argent, ça, quand même. Mais je dis pas le contraire, sauf que ça m'en rapporte beaucoup moins qu'avant. Péri, vérification d'interview. C'est parti. Je suis un homme de la nuit, je n'aime que la vie qu'on mène la nuit. Est-ce que c'est toujours vrai? Plus maintenant, non. Du tout. Enfin, j'aime moins le matin. Mais à partir de 2-3 heures de l'après-midi, j'ai... Donc ça n'a pas changé. Suivante. En 79, vous avez dit « C'est la faute des critiques français si je paye désormais mes impôts à l'étranger. Ils ne m'ont pas pardonné d'être jeune, svelte et riche, alors qu'ils sont gros et qu'ils ne savent même pas danser. » Ah là, j'étais bourré. Suivante. 83. Hier, j'ai dîné avec un ami et je suis allée me coucher. Avant, j'aurais refusé un tel supplice. En fait, ces années-là, c'est les années où je buvais plus du tout, où je me récupérais, parce qu'il fallait vraiment récupérer ma santé. Et c'est vrai que là, je suis allée me coucher. Sinon, avant, j'aurais fait la fête jusqu'à 6 heures du matin. Une dernière. En 84, les Français, contrairement aux Américains, refuse de prendre au sérieux l'artiste qui s'est drogué ou qui a bu. Pourtant, je n'ai assassiné personne et je crois avoir plus de talent depuis que je suis devenue sobre. Ouais, là j'étais. Alors là, j'étais en traitement. Patrick Juvet, les bleus au cœur, c'est chez Flammarion, les souvenirs de Patrick Juvet. Yes. C'est l'heure du qui a déconné. Nous vous proposons ce soir, dans le Qui a déconné, Natacha Amal, comédienne qu'on voit dans une série sur TF1, qu'on a reçue ici il y a quelques semaines à propos de son livre avec son mari sur le tsunami, un livre très très critiqué parce qu'elle y est allée un peu fort, un livre à l'eau de rose sur cette catastrophe, on lui a reproché ce livre, et elle dit que culpabilisée par les attaques, pas seulement les nôtres, parce qu'il y en a eu un peu partout, mais on en fait partie, elle a eu envie de se suicider. 0, 10, 20 ou 30 points. Eh bien, zéro. On en a assez dit ici, je ne vais pas continuer. Gérard Miller. Je continue évidemment à lui mettre zéro point. Et Laurent, croyez-moi, quand les gens disent qu'ils ont eu envie de se suicider, vous ne savez jamais exactement de quoi il s'agit. Bien sûr. Je connais la femme et elle est sincère. C'est vrai? Ouais, et c'est une femme très bien. Jean Benguigui. Moi, je mets zéro point, c'est une actrice, on peut pas trop lui demander. Et en plus, tu l'as mis le Gérard Miller, alors ça va, quoi. Christine. Non, mais par rapport au nombre de morts qui ont demandé qu'à vivre, je comprends pas. Gueluc. Zéro point, bien sûr, parce qu'après ce qu'elle a vécu ici... C'est vous qui l'avez fait pleurer. Oui, mais bon, il y a eu assez d'eau dans cette histoire. Non, ce que je voudrais surtout dire, c'est que nous avons découvert, à l'occasion de la tournée de promotion de ce livre, nous avons découvert son mari, oui, et l'écrivain Claude Rapp. Et nous avons découvert, après l'émission, que nous savons maintenant pourquoi Natacha a mal, parce que Claude Rapp. Patrick Juvet. Moi, je mets zéro. Zéro. Parce que je crois que... Les artistes savent pas toujours ce qu'ils disent. Elle était bourrée. Non, mais... Total pour Natacha Amal. Ça va, il s'en sort bien. Hein. 30 points seulement. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Céline Dion. Pourquoi Céline Dion? Parce que, là encore, peut-être que ses mots ont dépassé sa pensée, mais alors elle y va fort, c'est qu'elle commence à s'emmerder à Las Vegas. Elle n'en peut plus de chanter à Las Vegas, et elle le dit, elle commence à balancer sur le public américain. Elle dit, c'est la première fois que je ne chante pas pour mes propres fans. Le public de Las Vegas, il vient pas uniquement pour me voir, non. La plupart du temps, ils sont là pour un week-end, ils mangent trop, ils boivent trop d'alcool, ils finissent par s'endormir pendant mon concert. En gros, elle explique qu'ils n'ont pas vraiment choisi de la voir, elle. Ils sont à Las Vegas, elle fait partie du tour opérateur. Et ça l'emmerde, Céline. Et elle n'en peut plus, elle craque, elle les emmerde. Voilà. Alors. Si le public s'endort pendant son concert, c'est que c'est peut-être chiant.
Gérard. Moi, je ne doute pas que le public soit comme elle le décrit. Il était temps qu'elle s'en rende compte, franchement. Valérie. Elle avait qu'à pas signer pour autant de temps. Attends, hein, voilà. Faut pas déconner. On sait très bien qu'au bout de... Au bout de 3 ans, 4 mois... 3 ans, oui, à Las Vegas. Bon, hein, voilà. Voilà. C'est, faut pas exagérer, quoi. Belle Guigui. Juste retour des choses. Son public la saoule, elle nous a assez saoulés. Christine. Moi, je suis d'accord avec elle. J'aime pas les Américains, je suis comme elle. Puis c'est con d'aller à Las Vegas avec un vieux jeton, autant en prendre des neufs. Hein. Philippe. 30 points, c'est inadmissible de dire des choses comme ça sur le public. Nous avons la chance d'avoir un public formidable. Et jamais nous ne dirons mieux que l'autre. Patrick. Bon, j'ai 30 points parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. Hein, 30 points, ça fait un total pour Céline Dion, c'est le plus beau jour de sa vie. 160 points. Merci d'être venu nous voir. Bonne préparation pour le prochain album et le prochain spectacle. Merci. En attendant, cette biographie, autobiographie chez Flammarion, signée donc Patrick Juvet, Les Bleus au cœur. Merci à vous. Merci. À demain.